Mandela. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vais mettre les lunettes. Ah ben voilà. Bonjour Madame le maire. Merci Saïd. Merci d'avoir porté une attention particulière lorsqu'on vous a proposé ce projet Mandela avec le concours de Richard Brouwer, ici présent, l'artiste. En effet, cette opération a pu être menée à son terme grâce à l'association Art dans la Ville, dont je ne suis pas le président mais le trésorier. Le président est Yvon Deschamps, malheureusement absent aujourd'hui pour raisons médicales. Et surtout, il faut le rappeler, son vice-président qui était Armand Menzikian, que je pense beaucoup de monde connaisse ici. Et c'est grâce à lui que cette sculpture a pu voir le jour aujourd'hui ici. Cette association avait pour vocation de mettre des œuvres d'art dans les quartiers défavorisés ou les quartiers difficiles. Il y en a eu plusieurs qui ont été installés dans le 8e arrondissement et il nous restait une queue de budget et Armand a dit on va mettre une œuvre à Vaux-en-Velin. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce projet. On en a parlé à Richard Brouwer, qui a participé tout de suite, qui nous a dit « Ok, je suis ». Il nous a fait une maquette. La maquette a été proposée à Saïd et à Hélène. Et aujourd'hui, on peut voir le résultat 5 ans après. Voilà. Nous vous disons bravo, Madame le maire, Hélène, et toute ton équipe pour cette belle initiative. Et merci à Richard Brouwer de nous avoir réalisé cette magnifique œuvre qui symbolisera à jamais sur ce territoire le message d'amour et de paix que Nelson nous a laissé. Je vous remercie. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. 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 I'm gonna let it shine. Shine, Jesus is my Lord, and I sing forever. I'm gonna let it shine, 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 let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Lilo, 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 Lilo
Bougain Martin, Bougain Martin, Jamie, Holy Low, Bougain Martin, Jamie, Holy Low, Bougain Martin, Jamie, Bougain Martin, Jamie, Lilo, Bougain Martin, Jamie, Lilo, Bougain Martin, Jamie, Lilo, Madame la conseillère régionale, Madame Karine Lucas, Mesdames et Messieurs les élus, anciens élus, Mesdames et Messieurs les représentants du collectif Arc-en-Ciel, Monsieur Laurent Carion, représentant de la Fondation Art dans la Ville, Monsieur Richard Brouard, artiste de l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil de quartier de Les Coins Thibaud, Vernet, Verchères, ainsi que leurs deux coprésidents, Mesdames et Messieurs les élèves, Monsieur le Directeur, les enseignants de l'école Makarenko, que je salue particulièrement pour le spectacle très vivant et très riche d'enseignements que vous nous avez présenté. Je vous remercie particulièrement de votre présence, élèves, directeurs, enseignants, car vous faites vivre cette célèbre phrase qui a été citée précédemment. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde et je crois que nous n'avons fait nôtre ici à Vau-en-Velin. Je salue aussi les représentants de l'association musicale de Vau-en-Velin, les chanteurs de Gospel Art, notre chanteuse Dassi Bonanga du début de notre présentation, notre jeune fille qui nous a fait remplir d'émotion. Mesdames et messieurs, chers Vaudais, c'est un grand honneur pour notre ville d'inaugurer aujourd'hui la stèle en hommage à Nelson Mandela. Et je tiens vraiment à saluer la présence de chacun et de chacune, saluer votre implication pour la réussite de cette cérémonie. Un événement de mémoire, un événement que nous avons voulu festif, malgré le temps, et c'est un moment avant tout de rassemblement, je crois, à l'image de Nelson Mandela. Vous le savez, nos manifestations se tiennent en public, même si la crise sanitaire connaît un nouveau rebond, il nous faut maintenir notre vigilance collective. C'est d'ailleurs cette situation sanitaire qui nous a privé de l'honneur de la présence de la fille de Nelson Mandela, qui devait être avec nous, Madame Zenani Mandela Dlamini et de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France. Je sais qu'ils auraient aimé être parmi nous, de la même façon que nous avions reçu, et Madame Mostefaoui l'a rappelé, le petit-fils de Nelson Mandela, il y a quelques années de cela. Je salue l'engagement des habitants et des associations, membres du collectif Arc-en-Ciel de notre commune, car ils ont porté ce moment de rencontre. Ils voulaient honorer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et nous voilà avec quelques mois de décalage, malgré tout rassemblés. Et je salue votre détermination, car ce beau projet a nécessité beaucoup d'engagement. Et nous voilà aujourd'hui rassemblés pour que Vau-en-Velin honore Nelson Mandela pour sa lutte contre l'apartheid, pour son action en faveur de la paix, pour ce qu'il représente de la fraternité entre les peuples. Car Nelson Mandela fut d'abord un combattant engagé, un combattant pour l'égalité, un combattant contre le racisme, contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour les droits civiques. Et je rappellerai rapidement un bout de cette histoire, puisque les plus jeunes nous l'ont conté tout à l'heure. En Afrique du Sud, un régime de ségrégation raciale visant les populations dites de couleur a été appliqué de 1948 à 1991. Il s'agit de l'apartheid, ce mot africain qui signifie séparation. Et les premières lois ségrégatives avaient de fait été édictées dès 1900. Comportement individuel raciste des personnes qui souhaitent que vivent ensemble uniquement celles qui se ressemblent, soit liées à couleur de peau, une confession religieuse. Et nous pouvons en avoir rencontré ou en connaître. La différence à cette époque en Afrique du Sud, c'est que c'est une loi. Et donc en 1960, suite à des révoltes de population, des habitants, le gouvernement décide de renforcer la répression et interdit les mouvements d'opposition à l'apartheid.
Malgré cela, la lutte s'intensifie face à un pouvoir inflexible et une branche armée clandestine du Congrès national africain est créée. Et Nelson Mandela, l'un de ses dirigeants les plus influents, est arrêté en 1962, condamné à la prison à perpétuité en 1964. Les premiers signes d'apaisement semblent apparaître en 1979 sous l'effet de la lutte intérieure et de la pression de la communauté internationale, mais ne durent pas. Au début, j'ai dessiné un portrait d'un mètre environ, et pendant des semaines, je l'ai regardé, et nous avons dialogué dans une relation imaginaire qui m'a permis de révéler un visage proche de son être et de ses convictions. J'ai choisi les couleurs noires, marron, caramel, blanc, pour symboliser la mixité des peuples. Derrière Nelson Mandela, les barreaux de prison, qui sont noirs, se transforment tout doucement en blanc pour exprimer la liberté, par un envol de colombes de la paix. Je suis très heureux que cette sculpture soit à vous enfin une ville où il y a une multitude de nationalités. Pour n'oublier personne, je remercie unanimement tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet et m'ont fait confiance. Merci à tous, merci à vous.